Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Moula Marini, je suis l'artisan d'art de la marque Bitsufakoi Jewelry. Aujourd'hui, dans la série Une semaine, une pierre, nous allons parler de la malachite, de son histoire, son origine, ses bienfaits et les signes astrologiques associés à cette pierre-là. Commençons par les spécificités naturelles de la pierre malachite. La malachite est composée d'hydroxyde de carbonate et de cuivre. Sa couleur varie du vert foncé au vert clair. Elle est facilement identifiable avec son grainage qui va du clair foncé au noir. Son système cristallin est monoclinique. Sa dureté varie de 3,5 à 4 sur l'échelle de Mohs, ce qui fait d'elle une pierre assez fragile. Le nom de la malachite vient du latin, un dérivé du grec ancien, malaché, qui veut dire mauve, dû à sa ressemblance avec la plante et les feuilles de la plante de la mauve. Mais les étymologistes ne sont pas tous d'accord là-dessus. À juste titre, beaucoup de plantes et de feuilles vertes ont cette couleur-là, mais plutôt malakos, qui veut dire mou en grec ancien, et qui serait le plus probable puisque cette pierre a une dureté très faible. La malachite se voit donner d'autres noms, par exemple la chrysocolle verte, le cuivre carbonaté vert ou le verre de cuivre. Les gisements de la malachite se trouvent à peu près partout sur la planète. Aux États-Unis, en France, à Madagascar, en Russie, au Brésil, et les gisements les plus abondants actuellement sont en RDC, en République démocratique du Congo. La malachite a été présente dans plusieurs civilisations pour son aspect décoratif, son usage cosmétique ou pour de la médecine antique. La malachite fait partie des pierres qui ont été utilisées depuis toujours. En Égypte antique, elle a été utilisée 4000 ans avant notre ère. Les Égyptiens anciens lui conféraient une symbolique de joie et de bonheur. Ils l'utilisaient aussi comme maquillage pour les yeux. Alors, je vous dis pas les tutos maquillage pendant l'Antiquité égyptienne. De l'autre côté de la Méditerranée, durant l'ère gréco-romaine, la malachite a été utilisée comme teinte pour les peintres, mais elle a été délaissée pour cet usage-là, dû à sa sensibilité à la lumière et à son changement de couleur. Toujours durant les empires gréco-romains, la malachite était utilisée par les généraux de l'armée et portée au cours des batailles. Dans les temps les plus anciens, le temple d'Artémis, quatrième merveille du monde, était orné de la pierre de malachite sur toutes les colonnes. Au Moyen-Âge, par exemple, cette belle pierre de malachite était broyée pour avoir un pigment qu'on appelait le vert des montagnes et qui était importé du Proche-Orient uniquement à des fins décoratives. Plus tard, au XIXe siècle, la malachite était extraite en Russie dans les mines de l'Oural pour orner tous les monuments importants, dont par exemple la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg. Parlons un peu des bienfaits de cette pierre malachite. La malachite, on lui confère la facilité de méditation, l'apaisement des angoisses et le sentiment de plénitude. Les signes astrologiques associés à la malachite sont le scorpion, le taureau, la vierge et le capricorne. Passons maintenant à l'entretien de cette pierre malachite. Si vous avez une malachite déjà sertie, vous pouvez la nettoyer avec une fumigation de palo santo, du bois de santal,
ou plus simplement sur un lit de sel, de gros sel, le soir, la nuit, parce que la pierre, elle craint la lumière du soleil. J'espère que ces infos et ces conseils sur la pierre malachite vous ont été utiles. Je vous dis à très bientôt pour la série Une semaine, une pierre. Portez-vous bien. À bientôt.